السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سيخص تقويم تشخيصي دائما مرجع باركور ان فرونسي الخاص بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021. Un nouvel ami يعني صديق جديد. Donc, je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de Chivan. Y a-t-il une place libre quelque part? Ici, monsieur, signale Martin en levant la main. Parfait, apprécie le maître. Anna prend un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par de la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un petit coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare « En mathématiques, tu es bien avancé, mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Qui veut aider Olivier à rattraper le retard ?» Marc lève un doigt tremblant. Les autres enfants le regardent surpris. « Moi, cela... » « Ne m'étonne pas, » dit le maître. « Marc est timide, mais on peut compter sur lui qu'on a un problème. Je te félicite, Marc. » إذن هذا هو النص. هنا النص يتحدث عن تلميذ جديد وافد ويعني حوار دار بين الأستاذ والتلاميذ. إذن في بداية الأمر يعني قام الأستاذ بتقديم التلميذ إلى التلاميذ. Voilà, c'est Olivier, donc il habite, ou bien annonce Monsieur Lebrun, donc il arrive d'Arlon, maintenant il habite chez, ou bien près de chez Ivan, il a Olivier, تلميذ الجديد قام بإعطائه يعني مجموعة من الدفاتر وقد راقب دفاتره ولاحظ بأن هناك يعني أو ماتيماتيك يعني في الرياضيات هناك تطور وهناك يعني مجهود واضح لكنه يعني تنقصه بعض الدروس في مادة اللغة الفرنسية وطلب من أحد التلاميذ أن يتطوع لمساعدته في تجاوز هذا النقص أو هذا التأخر لم يتقدم أحد غير مارك ليفاندوا يعني مارك اقترح أن يساعد هذا التلميذ الجديد ويعني قال له الأستاذ بأنه رغم أنه خجول لكن يعتمد عليه في هذه يعني في هذه المواقف وهنأه لتطوعه لمساعدة هذا التلميذ الجديد. إذن الآن سنمر للإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا النص. سؤال الأول: Où se passe l'histoire? Donc l'histoire se passe dans la classe. يعني القصة أين تدور القصة؟ يعني أحداث القصة يعني المكان. L'histoire se passe dans la classe. Comment s'appelle le nouvel élève? يعني تلميذ الجديد يعني ما اسم هذا تلميذ الجديد. Donc le nouvel élève, le nouvel élève s'appelle comment il s'appelle? Il s'appelle Olivier. Olivier. Troisièmement, de quelle ville cet élève est-il venu? Donc, il est venu d'Arlon, bien il arrive d'Arlon. Donc, on va écrire. Il arrive, يعني جاء من مدينة أرلون. Il arrive d'Arlon. Donc, le harf الأول من اسم المدينة يجب أن يكتب. En majuscule, il arrive d'Arlon. Très bien. Quatrièmement, à qui le maître présente-t-il le nouvel élève? يعني لمن يقدم هذا
هذا التلميذ الجديد فهو يقدمه لباقي تلاميذ القسم. Donc on va dire il le présente. يعني يقدمه. Il le présente. يعني le فهي تعني le nouvel élève. Il le présente à qui? Aux élèves. Ou bien au qui? Aux élèves. Aux élèves de classe. Bien. Cinquièmement, pourquoi le maître demande-t-il aux élèves d'aider Olive ou bien Olivier? يعني لماذا طلب منهم مساعدته هذا ليتجاوز يعني النقص الحاصل في بعض الدروس ou bien pour rattraper le retard, donc pour surmonter ou rattraper son retard. Donc, le maître demande-t-il aux élèves d'aider Oliver pour rattraper, يعني ليتجاوز التأخر الحاصل على مستوى الدروس, pour rattraper le retard. وهذا التأخر حاصل فقط في مادة اللغة الفرنسية. إذن pour rattraper le retard en français. لأنه قال له بأنه يعني جيد في الرياضيات. سؤال موالي. Marc veut aider Olivier. Comment trouves-tu ce geste justifié la réponse ou bien ta réponse? يعني هذا التلميذ Marc اقترح وتطوع لمساعدة أوليفييه. إذن كيف ترى هذا الجست؟ C'est un bon geste. Donc c'est un bon geste. يعني التطوع لمساعدة الأصدقاء فهو عمل جيد وعمل نبيل. C'est un bon geste. Très bien. Donc maintenant on va passer pour répondre aux questions de grammaire. إذن سنجيب عن يعني أسئلة مرتبطة بالغرامير والفيديو القادم إن شاء الله تعالى سيخص الكونجيغيزون والأورتوغراف. سؤال أول. Je souligne le groupe nominal sujet. J'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. Mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. إذن le groupe nominal sujet c'est mes cousins. Et le groupe verbal, donc, ont passé les vacances d'été en Italie. Bien. Esma Boujibar est la première femme marocaine à intégrer le NASA ou bien la NASA. Donc, le groupe nominal sujet, c'est Esma Boujibar. On va la souligner. Esma Boujibar, donc le nom, c'est le sujet de la phrase, le groupe nominal sujet. Et ou bien le groupe verbal, c'est « Il est la première femme marocaine à intégrer la NASA. » Très bien. Donc, maintenant, la phrase c'est « Vos amis, l'air des histoires. » Donc, le groupe nominal sujet, c'est « Vous. » Donc, on va, pardon, souligner. Donc, on va souligner « Vous. » Et on va entourer le groupe verbal « Aimer, lire. » des histoires, aimer lire des histoires. Et on va passer aux questions numéro 2. Je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. يعني هنا سنحول هذه الجملة إلى جملة استفهامية لكن en utilisant l'inversion du sujet. لأنه كما تعرفون هناك ثلاث طرق لتحويل جملة إلى جملة استفهامية. أولا نوظف est-ce que ou bien l'inversion du sujet ou bien l'intonation. On joue sur l'intonation. Donc maintenant on va transformer la phrase en utilisant l'inversion du sujet. Donc on va dire les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Donc voilà l'inversion du sujet. Donc les élèves, au départ on a une phrase déclarative, les élèves sont contents de venir ou bien de revenir à l'école. En utilisant l'inversion du sujet, la phrase devient une phrase interrogative, les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Et on n'oublie pas point d'interrogation à la fin de la phrase.
La troisième question, je réécris les phrases suivantes à la forme négative. C'est-à-dire, on va ajouter la négation ne pas. Donc, il arrive toujours en retard. Il n'arrive. Yani, fil asl, يجب أن نقول, il ne arrive pas. Lakin, lena, deux voyelles. Donc, on va éliminer le E de ne. Il, N apostrophe. Il n'arrive pas toujours en retard. Il n'arrive pas toujours en retard. Nous sommes partis en voyage. Nous ne. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas partis en voyage. Nous ne sommes pas partis en voyage. Lahido, nous ne sommes pas partis en voyage. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. Donc, le professeur s'adresse aux élèves. Donc, un complément d'objet direct ou bien complément d'objet indirect, on pose la question. Le professeur s'adresse à qui? Aux élèves. Yani, had l'jumla, fa nahnu najib an hada soual, à qui? Donc, la phrase, donc aux élèves, c'est automatiquement un complément d'objet indirect. Donc, on va l'entourer. S'adresse aux élèves. Donc, voilà le complément d'objet indirect. C'est O, I. La deuxième phrase, vous parlez des vacances d'été. On pose la question, vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Ou bien de quoi? Vous parlez de quoi? On va dire de qui? De quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez des vacances d'été. Donc, des vacances d'été, ce sont, ou bien, c'est le complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Et voilà, on a fini notre cours d'aujourd'hui. Le vidéo qu'adim, inshallah ta'ala, c'est qu'on ajouba an as'ilat conjugaison et orthographe. كونوا في الموعد دائما على نفس القناة إلى اللقاء.